On se met un petit peu tous sous les pieds là, on va relever les étages. Il faut du monde, ouais, encore du monde, il faut du monde. Hein, on va relever un étage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien passé, il y avait énormément de monde, tout le monde, tous les gens qui sont venus au pénitent cette semaine sont venus. Exactement, ça c'était super, ils sont tous venus, même les publics les plus éloignés, les gens de Valvert, tout le monde. Toutes couches sociales confondues, mélangées. Ça veut dire que quand on fait confiance aux gens, les gens sont là, parce que les gens sont intelligents. Oui. Et c'est pas à peine de réfléchir pour eux, ils réfléchissent très bien tout seuls. Et quand ils voient et qu'ils ont besoin, qu'on a besoin de solidarité pour construire une tour, eh ben ils arrivent, mais comme ça, hein, tout à fait, d'un allant. Voilà, et ils viennent et puis pouf, ils aident et ils mettent la main à la pâte. Beaucoup de partage avec tout le monde. Des gens qui étaient spectateurs au début, qui sont devenus acteurs. Et on a beaucoup scotché. C'était très sympa, très sympa. Avant, on a préparé ça avec quelques classes au pénitent, où on a construit les formes un peu trapézoïdales. Voilà. Puis après, ils étaient contents de se retrouver là pour monter ce fabuleux monument. On peut appeler ça comme ça? Voilà. Le bien résultat vous plaît? Oui, magnifique, magnifique. Et alors, vous êtes un peu triste que ce soit détruit? Eh oui, mais bon, c'est une œuvre d'art éphémère, alors forcément, ça va être détruit. C'était bien parce que on se soudait les uns les autres. C'était rigolo de le porter et de scotcher. C'était rigolo. Et c'était pas difficile? Pour porter, oui, mais pour scotcher, non. T'es un bon scotcheur. Oui, je scotche à l'école. Et le résultat te plaît? Oui. C'est grand, c'est beau. Tu l'avais construit? Oui. La tour? Oui. Alors ça fait quoi de la casser maintenant? Ça fait très drôle. Alors Olivier, content de cette performance? Tout s'est bien passé? Bah oui, ça s'est plutôt bien passé. On est monté à 16 mètres, c'était super bien. Je pense que je suis assez content de la structure parce que là, ces derniers temps, j'ai fait pas mal d'essais sur la façon d'essayer de monter haut et que ça soit stable. Et là, ça s'est assez bien passé. On a monté à 16 mètres, mais je pense qu'on aurait pu monter presque le double, ça tenait, quoi. Ça semblait vachement bien tenu. Voilà, ça montre pas mal de perspectives et ça s'est super bien passé. Jusqu'au petit tour, là, comme ça. Donc tu es content de ta perf sur Oban, quoi. Voilà, ouais. Super content. Il y a eu une mobilisation qui était quand même à la hauteur. Et donc voilà, ça s'est bien passé.
super. Ça fait pas un petit serment au cœur quand la structure s'effondre? Alors, j'avais plus maintenant. Alors si, il y a toujours un peu un espèce de placement parce que c'est beau. Bah, voilà, c'est vrai qu'on pourrait rester plus longtemps. Mais après, bah, voilà, on voit comment ça se passe. Ce petit déplacement, des trucs comme ça, moi je trouve que c'est chouette. Comme je disais, il y a un peu deux possibilités. Soit on laisse un temps et on laisse mourir, mais il n'y a plus ce magie de la destruction et de bouger la structure et ce jeu en commun. Quoi. Et on est figé sur le résultat, une heure petit à petit. Soit c'est un moment aussi qui est assez beau, ce déplacement et ces moments de destruction, ça fait partie aussi de ce qui me plaît bien. Et après, moi je vois ça, hop, c'est fini. On passe à autre chose maintenant. Voilà. Ouais.